1928 naquit l'étoile de Milsémite, époque du Ménorah, premier journal juif de l'État. La France créait des ponts entre nation et religion, c'était le défi sioniste d'une frange jadis, progressiste. 1939, le Judéa-Règne conquit les mœurs, époque où Caraïbes errent des Juifs du Saint-Louis. La France accueille en masse avant que Pétain ne prenne sa place, zone non occupée, futur Juda des indésirés. Schindler a, Schindler pas, on a tous au fond du cœur son Emalia. Qu'elle soit hédoniste, opportuniste, demain il est temps d'écrire la bonne liste. En 1940, Oscar sauve des âmes innocentes, époque où le juif français perdait sa nationalité. La France indifférente déshumanise en dilettante, les lumières sont éteintes, la République en demi-teinte. 1945, les médias détournés convainquent, époque où l'école d'or se développe au gré des procès. La France est moche à voir, vie schizophrène pleine de déboires, beaucoup de commémorations, mais y a quand là la remise en question. Schindler a, Schindler pas, on a tous au fond du cœur son Emalia. Qu'elle soit hédoniste, opportuniste, demain il est temps d'écrire la bonne liste. Plus de nouvelles étoiles sémites, époque où 1% des Français sont discriminés. La France pleure toujours sans dire adieu aux anciens amours. Temps de décimer, la liste continue à s'allonger. Schindler a, Schindler pas, on a tous au fond du cœur son Emalia. Qu'elle soit hédoniste, opportuniste, demain il est temps d'écrire la bonne liste.